Merci. Donc ça vous a plu, alors. Mais en attendant, on peut parler entre eux, on ne renonce pas malgré tout. On le prend au départ dans une situation plutôt précaire sentimentalement, et sa vie est plutôt, plutôt mal partie, même presque finie. J'aime bien parce que quand je parle, j'entends mon écho, ça me rappelle ma vie. Non, voilà, c'est un personnage qui est plein de, comment dirais-je, plein d'espoir encore pour, voilà. Faire d'espoir. Fanny, même question. Oui, je dirais la même chose que Daniel. Ah, j'aime dans cette femme qu'elle, elle non plus, elle renonce pas à l'amour, à l'intensité de l'amour, et qu'elle, voilà, jusqu'au bout, elle attend l'étincelle. Guillaume. Bonsoir. Moi, ce que j'aime dans ce personnage, c'est sa passion, en fait, sa passion pour son travail, pour son métier, pour cette femme qu'il aime plus que tout, et sa complexité, en fait, cette manière de s'empêcher, en fait, de pas avoir vraiment les excusez-moi, parce que je veux le dire, Guillaume, veux-tu m'épouser, d'accord. Non, mais je vois que les questions vont être très, très intéressantes, du coup. Donc voilà, non, c'est un personnage qui me plaît, parce que c'est vrai que c'est aussi... lui qui permet en fait de revivre en fait ce moment, ce metteur en scène qui remet ça en scène, et je trouve que c'est un rôle très très beau en fait. Et puis cette relation qu'il a avec le personnage de Daniel en fait, cette filiation et quelque part ce cadeau qui est de pouvoir à nouveau ici, lui qui lui a appris à être heureux, ben, tout d'un coup il peut lui rendre l'appareil et essayer de lui permettre à son tour d'être heureux, et ça je trouve ça très très beau dans sa démarche. De rendre ce qu'on vous a donné. Exactement. Doria, même question, qu'est-ce qui vous touche dans ce personnage? Moi, ce que j'aime dans le personnage, c'est déjà qu'elle embrasse Daniel Auteuil et Guillaume Canet dans le même film. Et puis j'aime aussi que ce soit une actrice, parce que c'est quelque chose auquel je n'avais pas vraiment pensé, en fait. Enfin, je n'avais pas théorisé ou réfléchi à ça, mais le fait de jouer une actrice m'a permis de réfléchir à ce que c'est que d'en être une. Et c'était vachement, vachement cool, en fait, parce qu'elle, elle utilise des répliques qu'on lui écrit pour dire des choses d'elle. Et bah, c'est vrai, je pense que n'importe quel acteur met de lui un peu dans chacun de ses rôles, hein. C'est pour ça qu'on aime certains acteurs. Et moi, je me suis aperçue que ça m'a permis de m'apercevoir que je mettais un peu de moi dans chacun de mes rôles et que j'aimais ça, le fait de mettre un peu de moi. Je sais pas, voilà. Michael. Moi, c'est un peu comme Daniel et Fanny. Je trouve que mon personnage, il ne renonce pas, mais pas son histoire à lui, à leur histoire à eux. Et je trouve que quand on est un enfant, on ne renonce jamais à ce que nos parents continuent à s'aimer. Et donc, c'est ce qui me touchait le plus dans ce personnage. Et vous, Nicolas, qu'est-ce qui vous touche dans l'ensemble du film? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Le plus? Non, si le je plus. Peux pas répondre à ça. Ça le c'est plus. Trop, c'est trop. C'est trop. Tout me touche. Tous. Le fait qu'on soit tous là, le fait de les... Ce qui a été très fort sur ce tournage, je ne sais pas si ça se passe pour tout le monde comme ça, mais j'allais dire, je ne crois pas et j'espère pas, parce que je veux que ça soit plus fort pour nous que pour tous les autres, c'est qu'il y a eu un effet miroir entre la plupart des acteurs qui sont autour de moi et leurs personnages. Ça a donné lieu à des conversations qui n'avaient plus rien à voir avec le scénario et qui étaient très émouvantes en loge. Ça a donné lieu aussi à un rapport entre l'équipe et le tournage de ce film, parce que c'est un film qui parle également du théâtre, qui parle également du cinéma. Et en fait, ce que Victor vit quand il arrive sur ce plateau, enfin dans cette espèce d'entrepôt, de bâtiment, nous on le vivait tous les matins. Et ceux qui tiennent le projecteur à un moment pour éclairer le personnage de Doria, bah, c'est vraiment le type qui tient les projos. Et les décorateurs, ils se baladent dans le film. Et c'est pas parce qu'ils apparaissaient à l'écran qu'ils étaient motivés, c'est parce qu'ils avaient vraiment le sentiment tous les jours que le film ne prenait pas leur travail par-dessus la jambe. Et que peut-être que, voilà. J'ajouterais pour le type sans doute passionné par le son de cette soirée, que si on pouvait avoir un peu moins d'écho, ça sera formidable. Et également,
Alors, on va prendre la première question de Caroline de Toulouse, qui dit « Monsieur Auteuil, vous avez déjà eu 2 Césars du meilleur acteur. Avez-vous fait ce film pour honorer le dicton « Jamais 203 » ?» Non, c'est « Je pisse l'Oscar ». Après, une question pour Doria. Doria, veux-tu m'épouser ?« Je t'aime oui. », grand journal en Marie-Christelle. « Comment Margot maintenant ?» C'est Vincent D. de Nantes. Ben écoute, Vincent, déjà, ça me touche beaucoup, au plus profond. Et Marie-Christelle, ça fait longtemps qu'elle n'est pas apparue sur la scène médiatique. Mais je sais pas, oui, je veux bien t'épouser, d'accord. Voilà. Vous venez de comprendre à quel point Doria Tillier est une femme facile. Facile. Il y a 2 types de films intelligents, chiants et divertissants, débiles. Avec vos 2 films, donc la question s'adresse à Nicolas, créez-vous la catégorie intelligent pas chiant ? Juliette de Lille. Merci Juliette. Grégory de Lyon. Non, ce qui est sûr, c'est que j'essaye en effet de m'engager dans la voie d'un cinéma qui fait fi des snobismes. Je suis très heureux d'avoir pu embrasser cette carrière entre guillemets tardivement, c'est-à-dire je suis content de pas avoir fait un film à 25 ans, je suis content de faire des films qui ressemblent exactement à ce que j'aime voir moi, c'est-à-dire il y a de tout dans mes influences, et y compris des films de divertissement américains, et aussi du Truffaut, et du Scola, et du Zemeckis, et du Spielberg. Je ne fais absolument pas de frontières, ça ne veut pas dire que j'aime tout, ça veut dire que je trouve qu'il y a du talent dans des genres qu'on a tendance à opposer, et que j'aimerais contribuer à ce qu'on les réconcilie. Une autre question pour Nicolas. Daniel Auteuil était-il l'acteur évident pour ce rôle ? Avez-vous pensé à lui dès l'écriture du scénario ? Et pour les autres rôles, ça c'est Pierre de Lille. Après, on va passer à 2 questions de la salle ici, donc préparez-vous à lever le bras. Nicolas, pardon. On a pensé vite à Daniel. J'inclus d'ailleurs dans cette conversation, enfin dans cette réflexion, les producteurs François Cros et Denis Pinot-Valenciennes, parce que c'est vrai qu'on adore faire des tours de table et fantasmer, se faire des peurs, des bonheurs. C'est un moment quand même génial quand on a écrit une partition et qu'on se dit « Alors, qui pourrait le jouer ?» Je ne connaissais pas Daniel, mais assez rapidement, il s'est avéré le choix idéal, pour plein de raisons que je vais dire en 2 secondes, et c'est pas parce qu'il est à côté de moi, il le sait, c'est que il portait en lui à la fois l'âge du rôle, mais aussi son enfance, mais aussi à la fois son intelligence et sa candeur. C'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui auraient pu verser dans le sarcasme, dans le cynisme, et en fait, le Victor que Daniel propose, au départ, il s'en moque, il n'y croit pas, il est contre, il est en guerre un peu avec la société dans laquelle il vit. Et en même temps, cette jeune femme sublime, incroyable, dont il sent qu'elle est à la fois le reflet de Marianne quelques années plus tôt, et en même temps qu'elle a une histoire à partager à elle, qu'elle est plus que ça, que c'est une Marianne avec un supplément d'indépendance intellectuelle, et bien à ce moment-là, ça devient un enfant, et il dit oui aux années 70, il dit oui à tout. J'ajoute juste un truc, c'est que Daniel Auteuil, je savais que ça ne serait absolument pas ridicule de lui mettre des cols Pelle à tarte et des Santiago, et que, bien que leur taille soit assez différente, il est tellement séduisant au fur et à mesure du film, qu'il a l'air très crédible face à cette trentenaire. Il est magnifique. Mais surtout que je m'habille comme ça dans la vie. et pour les autres acteurs ? Bon, je ne vais pas prendre... Ah, c'est un peu la question, parole, mais... Doria... ça vous paraissait évident de retourner avec Doria après oui. Monsieur et Madame Adelman ? Oui. Oui, je l'ai fait spontanément. Et... Quelle pression ? Oui, parce que en fait, le rôle il m'a été inspiré par elle. Et ça aurait quand même été gonflé de le proposer à quelqu'un d'autre, et puis je trouve que c'est une actrice incroyable. Mickaël, c'est comme un frère pour moi, c'est un mec qui fait partie de ma vie intime. Il vous a dirigé même.
dans son deuxième film. Et tout d'un coup, l'opportunité m'était donnée, de lui rendre l'appareil d'une certaine façon, et de profiter d'un truc qu'il a en commun avec le personnage. Et ça, c'est pas souvent que j'écris des rôles comme ça. C'est un personnage d'une très grande bonté, d'une très grande, comment dire, oui, d'une vraie bonté. C'est un mot qui est pas à la mode. Mais Michael, moi, je peux le dire, c'est quelqu'un qui a une incroyable qualité humaine. Et donc, il a donné ce supplément d'âme au personnage. Quant à Guillaume Canet, Guillaume, c'est un gros cadeau qu'il me fait également, parce que très rapidement, j'ai pas voulu jouer le rôle parce qu'il était déjà suffisamment inspiré de moi pour que je lui colle pas en plus ma gueule, parfois antipathique. Et Guillaume, il m'a donné son talent, il m'a donné un truc qui est pas commun, c'est qu'il peut aller vers l'impatience, vers des choses que lui-même a traversées d'après les confidences qu'il m'a faites. Il a dirigé une femme qu'il aimait. Il a vécu ça, c'est un réalisateur accompli et c'est même célèbre. Mais il. Comment dire? Il y a chez lui aussi une enfance, une candeur que je n'aurais pas eue en le jouant moi-même. J'étais voilà, très heureux d'accueillir dans cette aventure. Fanny Ardant, c'est la seule que je n'ai pas choisie parce que je la trouve con, moche. Inculte, que dire de Fanny Ardant à part la regarder pour comprendre que j'avais écrit le rôle pour elle, quoi. Bien sûr. Guillaume, vous avez dit. Guillaume, vous avez dit dans une interview que au départ ça vous faisait un peu peur parce que vous demandiez si vous alliez bien vous entendre avec Nicolas en disant on a un peu le même caractère, tout ça. Et finalement, ouais. Apparemment, ça a l'air de s'être bien passé. Oui, parce que moi, je monte dans les tours assez rapidement. Et c'est vrai que je connaissais Nicolas sans vraiment le connaître. On s'était croisés plusieurs fois, mais j'avais peur. Oui, j'avais peur de me retrouver surtout dans cette situation, de jouer l'amoureux de Doria, de me retrouver pas vraiment, enfin, un peu à sa place. Et du coup, j'avais peur, de me retrouver dans une situation délicate. Donc je lui ai parlé franchement et il m'a rassuré. Et il m'a très bien rassuré. Et en fait, j'ai passé un moment formidable. C'est un très très grand metteur en scène. Je dis pas ça parce qu'il est là et enfin parce qu'on est là devant vous et devant les caméras, mais je le pense sincèrement. En fait, il est brillant dans l'écriture, il est brillant en tant que metteur en scène, en tant que directeur d'acteur. Il a un souci vraiment du détail, et quand on aime ce métier-là, fait de cette manière-là, c'est très très agréable d'avoir quelqu'un qui laisse rien au hasard. Et c'était très très agréable, et je pense que je me suis même pas énervé une fois sur le tournage. C'est vrai, c'est vrai. Et lui non plus d'ailleurs, ça a été très très cool. En fait, je m'aperçois en vous regardant tous que vous avez dirigé des acteurs qui sont quasiment tous metteurs en scène. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai réalisé quelques films. En tout cas, c'est des gens sur un plateau, c'est formidable. Et je dis pas que tous les que les acteurs ne sont pas habituellement, mais c'est vrai que c'est des jobs. C'est le cadreur qui fait la gueule. Et qui... le caméraman qui se plaint qu'il n'arrive pas. Non, mais depuis tout à l'heure, c'est tout marrant. C'est des chiens de merde qui marchent pas. J'en ai ras le cul. Caméra de merde. C'est des individus, c'est des artistes, c'est des créateurs qui arrivent sur un plateau avec. Comment dire, ils sont bien plus riches que leurs préoccupations quotidiennes. Fanny, par exemple. Mais aussi bien Daniel que Guillaume, etc., que Doria, que Miguel, Fanny, j'ai pas le souvenir d'avoir parlé de la prise quand on changeait parfois la lumière ou quand on préparait le plan suivant. Elle t'emmène vers autre chose. Je pense que Fanny, par exemple, elle veut que chaque journée soit rare, mais en dehors même du travail. Ça va être l'observation d'une figurante ou une conversation sur un roman. Ou un poème qu'elle a envie de vous lire, c'est quelqu'un dont la vie doit rester poétique, doit rester littéraire, et le fait qu'ils soient tous comme ça, c'est-à-dire riches de vécu, d'expérience, de réflexion, ça les a poussés aussi à s'exprimer, je crois, et à vouloir donner aux autres autre chose que leur voix, que leur regard. Alors justement, peut-être Fanny, il y a une question pour vous, de Marc de Neufchâteau. Mademoiselle Ardant, je suis amoureux de vous. Dans ce film, vous êtes la quintessence de vous. Seriez-vous prête à vivre avec moi à Neufchâteau?
C'est pas avec moi, c'est avec où, Marc de Neufchâteau. C'est où? Je ne sais pas où c'est Neufchâteau. Ah. Voilà, c'est le moment où on est quand même des petits connards de Parisiens. On est censé être dans 235 salles et le mec sait pas où est Neufchâteau. Voilà. J'avais dit, il faut prendre Patrick Sébastien et on a voulu prendre Jean-Pierre Lavoignard, journaliste. Pas connaître Neufchâteau. Est-ce qu'une question dans la salle? Le café de Flore, tu sais où c'est, hein? Une question là, à Nice, donc. Levez-vous, on va vous apporter un micro, si on ne vous l'a pas donné déjà. Bonjour, en tout cas je vous remercie, c'est vraiment un film extra. J'en ai pleuré à la fin parce que c'est vraiment très émouvant. Et je voudrais savoir comment vous est venu le scénario, quoi, de réaliser un film comme ça, quoi. C'est vraiment extraordinaire, quoi, de pouvoir revivre une vie. Et on se demande après, si nous, personnellement, qu'est-ce qu'on aimerait revivre dans notre vie, quoi. Et ben vous, par exemple? Je sais pas, j'étais en train de réfléchir pendant le film. À la fin de ma réponse de trois quarts d'heure, vous pourrez nous dire ce que vous... C'est parti de Victor, mais désormais c'est lui, toute la vie. De cette idée de Victor qui est à la fois mon père, qui est à la fois moi, qui est à la fois des amis, qui est à la fois des gens que je croise et qui sont pas comment dire, dans le refus de la modernité, mais qui sont un peu perdus, qui sont un peu déstabilisés, qui sont comme fatigués et exsangues un peu de cette espèce de révolution technologique, de changement de logiciel un peu politique, tout. Et je connais des gens pourtant qui sont pour le progrès, qui sont du côté de la jeunesse et qui me font l'aveu depuis des années de « Waouh, ça va vite là, je sais pas. » Et ce vertige-là, j'avais envie de le filmer, j'avais envie de replonger une sorte de père de moi, de plein de choses, à un moment plus doux, plus flatteur, plus gratifiant. J'avais envie de rendre Victor heureux. Peut-être j'avais envie de rendre mon père heureux. Peut-être que j'avais envie de rendre des gens qui peuvent ressentir ça un peu plus... leur donner un peu d'espoir. Voilà. Et à partir de là, j'ai fini par inventer, parce que des idées sont parfois plus généreuses que d'autres, et il fallait le replonger dans ces années-là. Mais encore une fois, c'est pas un film qui dit c'était mieux avant, c'est un film qui dit c'est dur en ce moment, c'est dur maintenant. C'est plus compliqué, quoi. Et puis, il est amoureux, non pas des années 70, il est amoureux d'elle, il est amoureux de lui-même, il est amoureux de sa jeunesse. Et ça, si j'avais écrit le film dans les années 80, j'aurais fait l'apologie des années 20. Hein. C'est arithmétique presque ce qui nous a plongé dans les années 70. Et c'est greffé à ça, qui pouvait le faire partir là-bas? Et Victor est né. Et Victor, ben, c'est un garçon un peu comme l'étaient certains cinéastes, qui ne sait pas faire la différence entre l'actrice et sa femme, qui a tendance à vivre dans la fiction. Et puis Doria, et puis Michael, et puis tout ça, c'est emboîté, si je puis dire. Et ça m'a paru harmonieux. Et je voulais remercier Guillaume Canet, que ça fait le deuxième film que je vois qui est super, La promesse de la terre. Je me suis aussi très très bien régalée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Coralie, depuis Anglais, dit simplement « Pas de questions, juste un grand moment de bonheur, beaucoup de tendresse et d'émotion. » Une question pour Daniel Auteuil, mais qui n'est pas signée, anonyme. Alors, 2019 ou 1974? Ah, mais je sais qui c'est. Non, pas du tout. 2019. Le bon temps, c'est maintenant, et laissez-nous twister. Fanny Ardant, ce n'est pas votre premier film avec Monsieur Auteuil. Comment se sont passées vos retrouvailles? Merci. Jeanne de Lille. On s'était connu avec Daniel sur un film de Michel Deville. Michel Deville, mais on ne se parlait pas. Le paletot qui est si, si. Il y avait... Un petit peu quand même. Il y avait une scène où il venait vous dire « je vous aime » et vous lui répondiez « voyez déjà les lieux communs ». C'est pas Patrick Sébastien qui t'aurait dit ça. Merci Guillaume.
Non, et moi, ça a toujours fait partie d'un grand désir de jouer avec Daniel. Et voilà, c'est arrivé. Daniel ? Fanny dit qu'on ne se parlait pas beaucoup. C'est vrai qu'on ne se parlait pas beaucoup. J'aurais adoré lui parler plus, mais j'étais très, très timide. Et elle m'impressionnait déjà. À un moment donné, on a eu une scène très difficile où je devais lui caresser le bas du dos et j'étais vraiment très très mal à l'aise et je vais la voir et je lui dis « Fanny, comment je vais faire ?» Elle me dit « Daniel, faites comme si j'étais un tapis brosse. » Mais je n'ai jamais pu prendre Fanny pour un tapis brosse. Question de Jean-Baptiste Langlois de la Ferté-Massé. Est-ce qu'il a été difficile de recréer un studio dans un studio? Quelle merveille! C'est pas difficile que je retiendrai. C'est excitant, c'est passionnant. C'est tous les jours une réjouissance. Parce que, oui, c'est-à-dire c'est les moments, en effet, un petit peu jouissifs pour les gens qui font le métier que je fais là. Où on se prend, non pas pour Dieu, mais en tout cas, on se prend pour le petit Dieu de son univers à soi. Et donc, on est dans ses fantasmes, dans son imaginaire, et ce café, c'est pour beaucoup la reproduction d'un café dans lequel j'avais mes habitudes quelque part. L'hôtel, voilà, on utilise ses souvenirs et on fait de la fiction avec ses souvenirs personnels. Ce qui a été plus compliqué, c'est pour mes producteurs de payer la note. Parce que, en fait, voilà, c'était très important ces décors, parce que ces décors, ils sont à l'image du propos du film, c'est-à-dire qu'ils sont inachevés. Je voulais un peu comme dans le théâtre, parce que finalement c'est un hommage au théâtre aussi. Victor, il y croit par la force du cœur, par le désir de son imagination, par le désir. Mais il n'y croit pas parce que c'est bien fait. Antoine n'a pas eu le temps, ni les moyens, ni même l'envie peut-être, d'achever. On n'est pas dans Black Mirror ou dans un film technologique. J'ai très envie. Mais pas très envie. Et donc, on voit très bien ce qui se passe au-dessus. Et donc, nous, on vivait pareil dans cette illusion. Et l'illusion, elle fonctionne quand on a envie d'y croire, un peu comme quand tu mets deux chaises sur un plateau et qu'on te dit « c'est Roméo et Juliette ». Pourquoi n'avoir jamais fait rencontrer le personnage de Guillaume Canet avec celui de Daniel Auteuil? Question de Samuel de Rennes. Parce que j'aimais beaucoup l'idée que la pudeur du personnage d'Antoine, qui est joué par Guillaume, le laisse dans la coulisse pour ne pas justement détruire l'illusion dont je parlais. À partir du moment où le créateur vient au-devant du sujet, c'est comme réveiller un somnambule. Ça manquait d'élégance. Donc je ne les confronte qu'à un moment, par l'oreillette, par la voix, par les mots, par la poésie, en fait. Je suis chiant. Adeline de Reims, je tenais juste à dire à Doria Tillier qu'elle est devenue mon actrice préférée depuis Monsieur et Madame Adelman, une grande actrice. Merci. Et elle a vu beaucoup de films ou pas? Comment dire ça? Elle a vu beaucoup de films pour dire ça? Merci. Du coup, je dois aussi remercier Nicolas. Merci. En quoi vous diriez qu'il a le plus changé entre les deux films, s'il a changé? Oui, il a changé. Je pense que le premier film, une première fois, c'est toujours très stressant. Enfin, non pas que les autres fois, on ne soit pas un peu angoissé, mais quand même, il avait gagné en assurance, et puis moi aussi en plus, dans notre rapport. Donc, c'était beaucoup plus détendu pour tout le monde. Enfin, le premier, c'était génial, hein, parce qu'on a beaucoup dit parfois, c'était un peu tendu, mais c'était quand même génial déjà. Mais là, c'était plus apaisé. C'était plus apaisé. C'était vraiment heureux. Voilà. Mademoiselle Ardan, est-ce que les œufs au sucre, c'est vraiment bon? J'en veux, Alexis de Strasbourg. Pas mal, pas mal. Vous en avez vraiment mangé? Oui, des bouchées. Moi, j'en ai mangé aussi. La fille qui va à tout prix garder le micro. Moi aussi, j'ai goûté. D'une part, franchement, c'est bon, hein. On devrait l'inventer en dessert. C'est super bon. Mais aussi, le truc, parfois, c'est pas seulement le goût de ce qu'on nous fait manger dans une scène, mais c'est la quantité. Parce que dans la scène, on en prend deux bouchées. Mais quand on le tourne, pour peu qu'on fasse 10 prises, si on en prend deux bouchées, ça fait 20 bouchées. C'est vrai.
C'est ça qui est difficile parfois. Mais bon, ça va. Bravo, une idée géniale, des actrices et des acteurs éblouissants, un film bluffant. Merci, monsieur Bedos. Xavier de Toulouse. Une autre question dans la salle à Nice ? Monsieur au premier rang ? Oui, c'est Jean-Louis de Nice. Tout d'abord, merci pour ce très très bon moment que vous nous avez offert, parce que vraiment ce film est éblouissant de par toutes les performances, aussi bien de Guillaume, etc. Et puis surtout, monsieur Bedos, j'aimais beaucoup votre père, j'aime toujours votre père, mais je vous ai découvert par la qualité de votre scénario, de votre écriture. Parce que j'ai entre autres un ami, et peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas, vous avez écrit aussi des pièces de théâtre, une pièce de théâtre qui s'appelle le Promenade de Santé. Et j'ai un ami qui joue, c'est le seul, dans cette pièce, et j'ai vu cette pièce plusieurs fois. Et c'est quand on voit les choses plusieurs fois qu'on apprécie le texte. Et là, pour le film, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir le voir plusieurs fois, parce que ça va vite. Il y a beaucoup de choses, et c'est tellement, tellement beau. Voilà. C'est un simple constat, je voulais vous remercier. Je vous remercie beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et là, c'est l'intervention de la soirée. C'est l'intervention de la soirée qui a le plus plu au producteur, en fait. C'est de se dire que tout le monde va aller voir le film plusieurs fois. Une question pour Michael. Bonsoir, Michael Cohen. Ça fait quoi d'avoir de tels parents de cinéma? Vous êtes top. Thierry de Saint-Dizier. Thierry, je le connais Thierry en plus. Mais c'est merveilleux, quoi, parce que c'est des acteurs et des actrices et des êtres humains que j'admire. Et je suis tellement fier que Nicolas ait pensé à moi pour jouer cet enfant. Fanny, je la connais, on a joué au théâtre ensemble. Daniel, on s'est déjà croisés quelques fois. Et j'espère avoir été un fils légitime. Et c'est plus facile de diriger Nicolas Bedos ou d'être dirigé par Nicolas Bedos ? Les deux sont passionnants. Moi, dans mon film, quand j'ai mis en scène Nicolas, j'avais envie qu'il soit fier de moi en tant que réalisateur, et puis moi j'avais envie qu'il soit fier de moi en tant qu'acteur. Et quand j'ai vu La Belle Époque, j'étais moi tellement fier de lui, parce que ce qu'il a accompli sur cet écran est tellement dingue. Je savais qu'il avait ça en lui, mais je pensais pas que ça viendrait si vite. Et là, c'est là. Deuxième fois après Cannes, The Game ou Truman Show vous ont-ils influencé pour le scénario, Jeff de Cannes? Oui, le mec il est là-bas. Donc, rien en particulier, tout en général. C'est vrai que c'est des films, ce qu'on appelle les films à concept. Je pense pas qu'on soit là-dedans, là, parce que mais je ferme pas la porte à ces films-là, et surtout pas à David Fincher ou à Peter Weir, qui sont quand même des grands cinéastes. Après, je dirais qu'il y aurait que cette énergie-là, ça me semblerait insuffisant. J'ai de l'admiration pour la forme notamment de ces films-là, leur inventivité. Cannes, j'en profite pour rebondir, est aussi un endroit qui, et je ne le savais pas à ce point, qui ouvre une porte vers des endroits, des pays, des publics, des regards qui ne se seraient jamais posés sur moi. Et je vis une période qui se prolonge ce soir. Je vis une période pour moi, de naissance à cette vie. Fanny, à Cannes, vous avez regardé le film, ce qui est exceptionnel. Oui. D'habitude, vous ne regardez jamais vos films. Vous en gardez quel souvenir de cette projection? Menotté. Finalement, j'ai regardé ce film comme si j'en faisais pas partie. C'est bizarre, parce qu'on lit le scénario, on tourne, et puis j'ai vu ce film comme si on me racontait une histoire. Parce que c'est difficile de voir un film dans lequel on est, on se trouve pas bien. Parce que là, tout le mouvement du film, la mise en scène, les autres acteurs avec qui je n'avais jamais tourné, ben voilà,
J'oubliais, j'étais là. Guillaume, vous vous y êtes presque habitué à Cannes, mais quel souvenir vous gardez de cette projection-là précisément ? La fin, le discours de Nicolas, en fait, qui était très ému et très heureux de voir cet accueil fou. Il y a eu un accueil totalement fou, en fait, et c'est vrai que moi, c'était la deuxième fois que je venais présenter un film dans lequel je jouais, enfin pas la deuxième fois, j'étais venu plusieurs fois, mais là avec un ami. J'avais eu la chance aussi d'être là l'année d'avant avec Gilles Lelouch pour le grand bain. Et je retrouvais la même émotion en fait de chacun des deux face à cette salle qu'on redoute. C'est vrai que quand on présente son film à Cannes, moi je l'ai vécu avec Blood Ties, avec un autre film. J'étais tellement terrifié que j'avais l'impression que j'avais peur que les acteurs oublient leur texte. Mais ça vous dit le niveau de connerie dans lequel on rentre en fait quand on... à quel point la trouille peut vous faire devenir vraiment très très con. C'est que j'avais peur qu'ils oublient leur texte, alors qu'évidemment la scène était jouée depuis longtemps et montée. Mais je précisais parce que d'habitude ça fait beaucoup plus rire que ça. Donc quand j'ai vu que je m'étais pris un beat, je me suis dit, si jamais... Tu sais, on est à Nice, ils parlent russe maintenant. Hein. C'est fini. В гостином шкафу нет ничего интересного. Donc je sais que c'est une salle qui peut quand même terrifier. Et là, de voir cet accueil-là, je sais que c'était pour eux... qu'ils avaient conquis en fait, et que Nicolas avait ce soir-là totalement conquis la salle par son film, et que j'étais extrêmement fier et heureux pour lui. Donc c'est un grand souvenir, c'est toujours magnifique de voir un metteur en scène heureux sur un plateau comme à une avant-première. C'est tellement de travail, tellement d'heures de boulot, d'investissement, que quand il y a des moments de... comme ça, d'enthousiasme, de joie, c'est fabuleux à partager et à voir. Alors justement, on vous pose une question, on vous demande si le fait de jouer, de mettre en scène dans le film, puisque vous mettez en scène les rêves des gens, mettre en scène quand on est réalisateur, est-ce que c'est jouissif ? Non, jouissif pour le public, est-ce que c'est jouissif pour vous ? Si j'interprète la question, Patrick de Saint-Omer. Alors, oui, c'est très, très... Moi, j'étais très excité par cette idée de jouer ce metteur en scène passionné qui peut avoir une certaine implication, enfin, en tout cas, qui peut aider, comme je disais tout à l'heure, le personnage de Daniel à essayer de retrouver un certain bonheur et un certain épanouissement et une passion, en fait. Et de revivre ces moments-là, et c'est vrai que j'ai eu des séquences assez truculentes à jouer, comme la scène où j'insulte Doria. Il paraît qu'il y a une part d'improvisation. Ouais. C'est la scène d'impro du film, parce que c'est pas du tout mon truc. Et là, Guillaume, il l'a bien fait. Il était très inspiré. Ouais. Ouais. Mais c'était des années de retenue, en fait. Des années de frustration, où là, tout d'un coup, j'ai pu... On a enlevé le passage où il la brutalise physiquement. Non, mais c'est vrai que c'est une scène pour le coup qui est improbable. Enfin, moi, je sais que je pourrais jamais m'énerver comme ça sur un plateau. Non, c'est vrai. Avec une actrice en tout cas. Mais non, je plaisante. Mais là, c'est vrai que c'était un lâchage total. Et c'était. J'ai rarement. C'est vrai que en sortant de la scène, j'ai dit Nicolas, ça fait un bien fou. C'est vrai que c'était quand même très très agréable. Nicolas, est-ce facile de diriger Doria et Guillaume que vous connaissez si bien, et pour eux surtout, Estelle de Lyon? Facile. Guillaume était beaucoup plus anxieux sur ce sujet. Il en a parlé tout à l'heure que Doria et moi. Moi je travaille. Et même ce dans quoi j'aurais pu glisser un semblant de, je sais pas moi, de perversité ou de jalousie ou de tout ça n'existe pas sur un plateau. J'y m'est même arrivé de l'encourager à l'embrasser fougueusement. Et je n'en tirais pas un plaisir personnel inavouable. Loin de là. Et puis voilà. Nous, oui. Moi, oui. Une suite à ton visage. C'est là qu'on voit le vrai visage, à ce moment-là.
Une suite est-elle envisagée avec Fanny ou Guillaume, qui eux aussi remontent le temps? Stéphane de Strasbourg. Je crois pas, non. J'ai même pas pensé. La belle époque de... Non, parce que... Depuis que j'ai vu la suite des petits mouchoirs, j'ai compris qu'il fallait... Je le pense. Eh ben, bonsoir. Pourquoi avoir choisi cette date si particulière? Y a-t-il une vraie signification derrière? Anaïs de Paris. Non, c'était un hasard mathématique. On était en 2019, on savait que le film sortirait sans doute en 2020. On s'est dit, voilà, à peu près, qu'est-ce qui serait... Non, c'est vrai que c'est une période, je vais faire court, mais c'est une période assez passionnante. C'est une période qui m'a été plus racontée que je ne l'ai vécue. Mais bien sûr. Vu que j'étais pas né. Mais c'est les récits enflammés de mes parents, d'Abadi, de tous les gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Quand j'étais gamin, je les écoutais parler de ça. Parce que c'est l'époque, c'est aussi l'époque des premiers véritables engagements féministes. C'est l'époque, voilà, de l'affirmation des femmes. L'époque de la réflexion sur l'amour, sur la liberté sexuelle. En fait, je voulais vraiment le renvoyer dans une époque plus rock'n'roll que la nôtre. C'est pas un vieux con qui regrette un temps plus sage. C'est un jeune homme qui se sent plus engagé finalement dans notre quotidien contemporain que dans ces époques-là. Il a envie de jouer, Victor, et ça se voit dans l'œil luisant de Daniel au café. Il revit, il veut danser, il veut baiser, il veut fumer, il veut boire, il veut tout ça. Pourquoi je m'excite là en disant tout ça moi-même? Je sais pas. Bon, hein, et oh, on parle beaucoup, non? Oui. Il y a une autre question dans la salle, ici? Voilà. Là-bas, puis après, là-haut. Bonsoir. 257 salles. Déjà, je voudrais vous remercier tous. Vous avez été vraiment magnifiques. J'ai passé un très bon moment. Guillaume et Doria, vous êtes un couple mythique. Merci. Vous battez contre vos démons pour finir ensemble. C'est vraiment splendide. Michael, merci. Cet enfant qui est bafoué par son père et qui se bat pour rassembler ses parents. Fanny, que dire? Vous êtes sublime, vous avez toujours été sublime et vous nous donnez tellement. Et Monsieur Auteuil? Alors Monsieur Auteuil, excusez-moi si l'émotion. Vous êtes mon premier film. Le premier film que je suis allée voir au cinéma avec mes parents. C'était Jean de Florette, Manon des Sources. Et vous rencontrez ce soir. Et avec cette période 1974. Vous devez me dire. Je vous remercie pour toute cette carrière pour et Monsieur Bedos. Vous êtes en plus dans la période 74, dans presque mon année de naissance, et pouvoir rassembler tout ça et nous avoir donné tout ça. Merci. Merci. Il y a une autre question là-bas, à gauche. On va vous lâcher. Bonsoir, bravo encore pour ce film, c'était un vrai plaisir. Moi j'ai une question plutôt sur la fin, sur justement le est-ce qu'il faut le voir avec un peu d'espoir, justement vous en parliez. Est-ce que justement cette recomposition possible entre Daniel Auteuil et donc Fanny Ardant, est-ce que y a un espoir possible où on sent peut-être que ça pourrait être une sorte de prise de conscience que ça va être autre chose à présent, peut-être pas comme ils l'ont fantasmé et comme ils l'ont vécu, mais une autre phase. Vous savez, chez les films, pour me faire croire à un avenir meilleur, je me fais du bien un peu en écrivant. Et donc je ne sais pas, mais je me plais à croire que qu'il va y avoir voilà du
qu'il va y avoir à nouveau quelques valses, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, et moi j'ai ma petite idée, plutôt, pour être plus exact, mais je sais que ce n'est pas celle de tout le monde, et parfois celle des autres me séduit davantage que la mienne. Et donc voilà, il ne s'agit pas de beauté en touche, mais tout est dit. Il a un regard qui part vers, tout d'un coup, cette jeune femme qui réapparaît, mais il a en même temps été bouleversé par l'aveu de lucidité, en tout cas, si ce n'est de pardon, du moins de conscience un peu de la douleur qu'elle a pu porter en elle de sa femme. Et je crois que voilà, il a le cœur très ouvert. Après, je sais pas, oui, je sais. Il est certain que je n'allais pas finir le film par une fin trop sécurisante, parce que la vie ne l'est pas. Et c'est ça qui est beau aussi dans la vie, je pense, c'est de ne pas savoir. Moi, ce que j'adore, le regard de Daniel. Dans cette scène à la fin, quand il, je sens qu'il a un peu peur quand même aussi. On sent une certaine inquiétude finalement à se demander si ça va marcher, enfin, si vraiment c'est aussi simple que ça en fait. Et ce que je vous fais aussi est formidable. Ils savent tous les deux qu'ils ne savent pas en fait. Et je pense que c'est ce qu'il y a de très beau aussi dans le film, c'est que des fois on croit savoir et ça nous heurte, ça nous blesse. Et en fait, c'est le fait à nouveau de ne pas savoir, de ne pas savoir de quoi va être fait le lendemain. C'est ça qui est excitant en fait. Même dans le regard de Fanny, c'est comme ça que je l'interprète, et je les trouve tous les deux. Ça a été une scène, vous savez, il n'y en a pas souvent l'occasion. Parce que parfois, on peut se figurer qu'un tournage, je rebondis sur ce que dit Guillaume, on peut se figurer qu'un tournage est un moment de réjouissance permanent, pas du tout. Il y a quelque chose de très pénible parfois, on colorie parfois des dessins qu'on a préparés en amont, et la magie n'est pas toujours là. On est heureux pour une minute, une seconde. Là, cette scène finale, j'étais au théâtre, j'étais au cinéma moi-même. On était tous en larmes derrière le combo. C'est pas classique, parce que le chef opérateur, la script, tout ça, c'est pas des gens qui éclatent en sanglots volontiers. Ça fait des mois qu'ils sont là. On en aura fait voir. Ils en ont vu d'autres. Et là, on était totalement conscients de vivre un moment à part, un moment rare de deux acteurs qui s'estiment, qui se regardent et qui projettent. J'imagine, et je ne veux même pas le savoir, je n'ai même pas posé la question, mais beaucoup de choses de même. C'était très fort. Et dans le regard de Fanny à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle sait qu'elle n'est pas forcément, qu'elle est peut-être allée définitivement trop loin. En tout cas, c'est comme ça parfois que je l'interprète. Elle se dit peut-être que c'est irrattrapable, mais merde, il y a quelque chose de l'ordre du dernier sursaut, de l'appel au dernier sursaut, qui est mais formidablement bouleversant pour moi. J'ai fait deux prises. Merci. Une dernière question dans la salle. Non, c'est par là que ça se passe. Non, ici, là, en bas. Alors. Bonsoir. Merci. Alors déjà, je voulais vous dire merci. C'est un film merveilleux. Et moi, je voulais revenir sur la première partie du film. Avec le personnage de Victor qui regarde cette série sur un écran. Et vous, enfin, je voulais savoir par rapport voilà, à cette société qui avance, entre guillemets, est-ce que vous, en tant que réalisateur, maintenant vous êtes assez optimiste pour cette future société, cette future génération, ou vous êtes en mode putain, c'était mieux avant, voilà, c'est dommage, mais est-ce que vous êtes quand même optimiste pour ce qui va se passer plus tard? Là, on est quand même en 2020, est-ce que. Je suis pas optimiste, je suis pas pessimiste, et je suis dedans. Je suis dedans. Oui. J'ai regardé trois fois mon portable alors que je suis avec vous. Je suis dedans. C'est la mienne, cette génération, désormais. Mais je ne peux que constater mon désarroi, parfois, et celui des gens que j'aime. Parce que le début était quand même assez pessimiste, dans le sens, voilà, les écrans, réalité virtuelle. Oui, mais en même temps, il y a des choses qui me... Et en même temps, je vis des moments jubilatoires, parfois, devant Netflix, devant certains films et ça. Et heureusement que ça existe aujourd'hui, parce que bon, je mentirais si je disais que j'y tire pas, même en tant que même que metteur en scène. J'apprends des choses sur la narration, il y a une vivacité, il y a une intelligence, c'est très très bien structuré parfois, c'est passionnant. Mais oui, je suis à cheval entre l'ancien monde et le nouveau, c'est pour ça que j'ai fait ce film-là sans doute. Je suis né dans un monde où on attendait sur un banc quelqu'un qui était en retard et on rentrait en courant chez soi pour écouter sur le répondeur ce qui s'était dit. Je suis né dans un monde où on achetait l'officiel et le Pariscope et où on écrivait des lettres d'amour qu'on allait poster. Et voilà. Je suis né dans un monde où il y avait des libraires, des kiosquiers, et où on connaissait tous à peu près les mêmes émissions de télé. Donc je suis
totalement effaré par celui qui est arrivé et qui m'a fait connaître d'ailleurs, parce que moi c'est mes chroniques sur internet, tout ça qui ont fait que j'ai un petit prénom. Donc je suis le totalement coupé en deux. Je pense que parfois on fait des films pour dire tout simplement quelque chose qui est un constat inéluctable, mais pour le vivre mieux ensemble. Ce film ne dit pas « retournons tous fumer des gitanes dans les années 70 », ça serait totalement débile. En revanche, il dit « on est tous un peu paumés, non ?» voilà. Et je trouve que déjà, quand je lis un roman sur un chagrin d'amour, il n'est pas en train de régler mon chagrin d'amour, mais je me sens moins seul. Et je voulais juste aussi, remercier des actrices comme Fanny ou comme Doria. J'espère et je veux plus tard aussi être comédienne. Et vous m'avez beaucoup inspirée ce soir. C'était très beau ce que vous avez fait. Vous êtes des actrices vraiment formidables. Et merci beaucoup. Merci. Une dernière question là-haut. Ah, pardon, c'est vous qui l'avez. Donc, allez-y. Moi, personnellement, en fait, j'étais très loin d'être un projet en 74, donc j'ai vécu le film différemment. Mais je pense que, comme un petit peu Itinéraire d'un enfant gâté, quand je le reverrai plus tard, je le vivrai encore d'une autre manière. Donc, je suis désolée, j'ai pas de questions, mais je voulais juste dire que vous êtes tous très beaux. Doria et Fanny, vous êtes magnifiques. À travers Daniel, j'ai vu mes grands-pères tout le long, j'ai pleuré tout le long. C'était juste trop beau et je suis désolée. Mais voilà. Non, mais... J'avais dit qu'il y avait une question de trop. J'avais 10 minutes. Je suis désolée, mais voilà, je voulais juste vous remercier vraiment. Vraiment. Merci. La toute dernière là-haut, parce que là, il lève le bras depuis trop longtemps. La toute dernière. Bonsoir, merci beaucoup et chapeau pour le film. Voilà, j'aurais souhaité d'abord savoir, alors j'ai vu que dans le générique de fin, il y avait une petite mention remerciement à Marion Cotillard, donc juste par une curiosité, je me demandais est-ce qu'elle avait participé d'une façon ou d'une autre au projet, vu que Guillaume Canet était lui, vous étiez un acteur principal. Et également, je me posais la question, est-ce que vous, Monsieur Bedos, avez fait un caméo dans ce film, vu que le propos de votre histoire, c'est un peu le cassage du quatrième mur, le mélange entre le monde des spectateurs, le monde des acteurs, le monde des techniciens, enfin réalisateurs, voilà. Et s'il reste un peu de temps, je me demandais aussi combien de versions de scénario il y a eu pour ce film. Est-ce que c'est la première ou est-ce que, comme Star Wars par exemple, il y a eu 15 versions différentes? Vous pouvez rajouter une ou deux questions. D'accord. Quel est votre numéro de compte en banque en Suisse? Alors, dans l'ordre. Marion, parce qu'il est arrivé à Guillaume d'avoir quelques heures supplémentaires et d'arriver peut-être tardivement chez lui, parce que c'est voilà, parce que je ne suis pas rentré dans... Parce que ça me regarde et je t'emmerde, toi. Vous m'envoyez ravi. Non, parce que voilà, parce que c'est des gens qui m'ont encouragé beaucoup. Guillaume. Elle l'a laissé tourner. Un caméo, j'ai pas compris la question. Et la troisième, peu de versions. Ça a été un moment. Moi, j'ai écrit parfois des choses de façon très fastidieuse pendant des mois et pour accoucher de la merde. Et je suis plutôt heureux moi de ce film-là, alors qu'il s'est fait presque sous mes yeux ébahi. J'avais l'impression qu'il me tombait comme un cadeau chaque jour. Les personnages en appelaient d'autres, ça faisait sens. Il y a eu, je dirais, deux versions. Voilà, à peu près. Et la réponse à la quatrième, pour le compte en banque? J'ai pas entendu la question. Ah, oui. Oui, je allez, je vais laisser ça, je vais laisser l'humour aux humoristes. Je ne suis pas bon là. Merci. C'est bon ? C'est même bon. Il y en avait une qui va presque de soi, qui est posée à chacun, c'est si vous pouviez revivre un moment avouable en public, lequel choisiriez-vous ? Élodie de Valence, tous. Bah moi la dernière question. Très franchement. Non, non,
Sans offense, c'était un joke. Donc je réponds moi en premier. Ben oui. C'est difficile. C'est difficile de... Tu t'attendais à celle-là en même temps. Oui, ouais, bah oui, on me l'a posé souvent, mais c'est très étrange parce que j'arrive jamais à répondre à cette question en fait. Donc ça me pose un vrai problème en même temps. Parce que je me dis que. Parce qu'à chaque fois que j'ai des idées et que je veux en parler, c'est toujours des trucs un peu glauques, quoi. Donc. Non, je vais essayer de trouver quelque chose de plus joyeux. Non, je sais pas, peut-être des périodes de mon enfance, d'insouciance. Voilà, de sentiments d'inconscience totale, ouais, d'insouciance qui sont très très agréables. Sinon, je me serais bien aussi téléporté dans une période de l'occupation. C'est pas ça que je pensais tout de suite. Non, en fait, je me suis rendu compte, en fait, qu'en voyant la série Versailles, que... Louis XIV, c'était pas mal. Ouais. Louis XIV, ça faisait pas chier. Non, mais qu'en fait, j'étais assez fasciné par cette époque. La cour, tout ouais, ça. Ouais, la cour où il pissait derrière les rideaux, tout ça, où il y avait un truc... Enfin, quand il pissait... Mais tu peux le faire, hein, tu peux le faire à n'importe quel moment. Hein. T'as pas besoin de retourner dans l'époque. Y a pas des rideaux, ici? Non, mais il y avait un truc par rapport même au... On en parlait tout à l'heure, mais même par rapport au verbe, à la manière de s'exprimer, au langage. Tout le monde se dit, oh là là, l'époque de merde. C'était vraiment des rêves de merde. Non, je sais pas. Pour être très très sincère, alors je vais plomber la truc, mais c'est pas grave, parce que c'est pour moi, c'est la réaction la plus importante. C'est que j'ai pas eu un rapport très particulier avec mon grand-père. Et en fait, on m'a expliqué que 8 ans plus tard, pourquoi il avait été comme ça toute mon enfance, le jour de sa mort. Et en fait, j'aurais aimé revivre cette période-là en sachant ce qu'on m'avait expliqué le jour de sa mort. Voilà. Merci. Non, je sais pas ce que c'est. Fanny, même question. Si, il y a un moment que vous aimeriez revivre. La question, c'était quel jour on voudrait revivre? Pas quel jour, quel moment, mais si vous avez le jour, c'est encore mieux. Oui, les grandes vacances de 1983. D'accord. Merci, Fanny. Nicolas? Je sais pas, je réponds beaucoup dans le film... Je voulais juste dire un truc, c'est que les souvenirs, en fait, on veut les revivre parce qu'aussi, le souvenir est toujours supérieur à ce qu'on a vécu sur le moment. Parce que sur le moment, il était gorgé d'anxiété et il ne se savait pas bon souvenir à venir, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, on a parfois envie de revivre des faits de la peur qui habitait un premier dîner, une première rencontre, un premier regard, etc. Ce moment-là qui serait habité par l'incertitude de ce qui s'est finalement passé. Je ne sais pas si c'est clair. Donc en fait, j'aimerais retourner dans le passé, mais en connaissant l'avenir, évidemment. Et auquel cas, je retournerais sans doute à quelques Noëls qui, sur le moment, m'ont paru interminables ou un peu glauques. Mais où les membres de ma famille, pour la plupart, se portaient bien. Donc c'est mon tour. Oui. Bah, il faudrait que ce soit une grosse production, parce que à la fin, je voudrais tout revivre. Voilà. Merci, bonsoir. Gloria. Ben oui, mais moi, c'est tout ou n'importe quoi, en fait, parce que... En fait, bon, on a toujours envie de voyager. Moi, j'ai toujours envie d'aller ailleurs. J'ai envie d'aller dans des endroits où je suis jamais allée, au Japon, même sur la Lune. Et peut-être, je pense pas que j'irai sur la Lune, mais on sait jamais, ça peut quand même arriver. Ou dans l'avenir, j'irai dans l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais le passé, ben, c'est sûr, jamais personne n'ira. Même le passé d'il y a une seconde, là, quand Daniel était en train de parler, bah, c'est déjà parti. Et moi, tous ces moments passés, je les trouve magiques et un peu sacrés. C'est ça que je m'en fous d'en choisir un. Mais revivre, et, oui, n'importe lequel. Michael.
Moi, je suis pas nostalgique du passé, je suis plutôt nostalgique du futur. Et j'ai hâte de revivre la soirée qu'on va passer là ce soir après, aller boire des coups, en fait. Alors, non, c'est pas tout à fait fini. J'ai une surprise pour vous. Nous avons une surprise pour vous. Ah ouais ? Puisque vous avez composé la musique du film. Donc, le temps que la surprise arrive, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de composer la musique de votre propre film ? Parce que je l'écris en jouant du piano. Je l'écris en musique, je l'écris en écoutant de la musique de grands compositeurs, bien supérieure à ce que je peux faire avec Anne-Sophie, qui travaille avec moi. Anne-Sophie Variant. La musique pour le montage, pour le rythme du film que vous avez vu, pour son découpage, elle est absolument essentielle. C'est parce qu'il y a de la musique toujours dans ma tête, quand j'écris, quand je réfléchis, qu'on ne me voit plus. Si, parce que t'es filmé d'en haut, tu vois, moi je regarde l'écran derrière, je suis en rêve. On peut se lever en fait. Bah, écoutez, on peut tous se lever. Qu'est-ce que je fais, un bout du film? Voilà, on va vous apporter un tabouret. Mais attends, mais c'est quoi ce piano qui sort de nulle part? C'est fou, c'est magique. Non, mais on peut être autour de lui en train de. Et puis après, on vous abandonne. Vous chantez si vous voulez. Lâche. C'était un air très simple au départ. Parfois, c'est deux accords, parce que sinon, ça devient vite sentimental. Ce qui est dur, c'est de faire des choses lancinantes et qui accompagnent les personnages, les acteurs et tous les acteurs que vous avez autour de moi. Je suis pas du tout intimidé par la situation. Il va partout avec son piano. Michael Cohen.